Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez installer un véritable climat de confiance avec votre cible lorsque vous la rencontrez pour la première fois, et ça, seulement en 2 ou 3 minutes, grâce évidemment à un bon pitch de présentation. En fait, avoir un bon pitch, c'est ultra important pour 3 raisons. En premier, ça va vous donner subtilement comme ça le leadership durant tout l'échange. En deuxième, ça va vous permettre progressivement de faire disparaître les questions, les pollutions, les interrogations qu'il y a dans la tête de votre interlocuteur et donc de le mettre dans de bonnes dispositions à vous écouter. Et enfin, en troisième, ça va installer le climat de confiance propice à votre business. Allez, on voit ça ensemble, je vous explique la structure du pitch et je vous donne bien sûr un exemple concret juste derrière. Vous allez pouvoir mesurer combien un bon pitch va déjà être un premier as dans votre jeu. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de la chaîne et du blog Les Grandes Techniques de Vente, de l'organisme de formation Leader Vente et d'un cabinet d'affaires qui porte mon nom. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, abonnez-vous en cliquant ci-dessous pour recevoir nos prochaines vidéos. Alors, je vous disais, en introduction, en fait, quand vous rencontrez une cible, eh bien, elle a comme ça des interrogations et des doutes dans sa tête, ce qui, à mon avis, est tout à fait normal. Ces doutes, ces questions un peu polluantes, eh bien, on les a tous hein, quand on rencontre un professionnel comme ça pour la première fois. Par exemple, vous vous demandez, est-ce que c'est une personne honnête? Est-ce qu'elle ne veut pas juste simplement un peu mon argent? Est-ce que je risque pas de perdre mon temps? Est-ce qu'elle aura réellement ce que je recherche, ce que je souhaite? Son entreprise, est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est fiable? Comment sont-ils organisés? Lui, qui il est exactement? Quel est son rôle? Peut-être dans combien de temps je vais être amené à devoir prendre une position qui pourrait m'engager? Et si c'est le cas, est-ce que j'aurai la liberté nécessaire pour réfléchir avant? Et puis si je m'engage, est-ce que je serai réellement, vraiment satisfait? Est-ce que j'aurai un service après-vente qui sera à la hauteur? Alors vous voyez, on est d'accord pour dire que ces doutes, eh bien, ils sont tout à fait normaux. Et donc, quand vous rencontrez comme ça une cible, eh bien, tout ça lui trotte dans la tête, vous voyez? Et en fait, pour faire disparaître ces questions et ces doutes, pour détendre l'atmosphère avec notre cible, la mettre dans de bonnes conditions, eh bien, on doit installer un climat de confiance dès le départ, en fait, dès la première rencontre, parce que c'est l'occasion parfaite pour tisser comme ça un lien fort avec notre cible. Et c'est exactement à ça que sert le pitch de présentation. À présent, je vais vous présenter les 6 étapes du pitch, les 6 effaceurs de doutes, et ensuite, je vous livrerai un exemple concret. L'effaceur du premier doute, c'est la perception de bénéfices, consciemment ou inconsciemment, attendus par votre cible, et plus globalement par l'ensemble de vos clients. Pour faire simple, c'est le bénéfice majeur que vous leur apportez. Ce bénéfice, je dirais, il doit être objectif et parfaitement tangible. En aucun cas, ça doit être une promesse exagérée. Et en moins de 30 secondes, votre interlocuteur doit se dire comme ça dans sa tête « Ouais, c'est bien ça que je recherche ». L'effaceur du numéro 2, c'est l'annonce de la couverture de votre offre globale. Elle doit être, je dirais, intégrale, mais traduite avec juste quelques mots simples, vous voyez. Là, l'interlocuteur en face, il doit se dire « C'est bon, ils ont bien ce que je recherche ». De nouveau, vous dites bien que si vous dépassez 30 secondes, vous allez un petit peu ennuyer la personne en face de vous. 30 secondes suffisent pour faire passer le message et le rendre curieux d'en savoir plus. Alors l'effaceur du doute numéro 3, c'est celui qui va vous légitimer. La chute, c'est quand votre interlocuteur se dit « Super, ils ont des clients qui me ressemblent ». Ici, vous devez d'ailleurs parler de vos références, de votre clientèle, de votre marché. Pareil, le message doit être succinct, juste ce qu'il faut pour l'accrocher. Et puis, s'il veut en savoir plus, il vous posera quelques questions complémentaires. L'effaceur du doute numéro 4, c'est le plus dur à manier. C'est celui qui parle de vous. Et là, votre interlocuteur, il doit se dire « Ah, ils ont l'air fiables. Et je situe bien le rôle de la personne en face de moi. » Je dirais que c'est l'endroit idéal pour injecter quelques chiffres clés ici. Puis je tiens aussi à souligner que, je ne sais pas si vous observez, on ne parle de soi qu'en 4e position. Laissez les concurrents parler d'eux en première position. Perso, je pense que c'est la plus mauvaise place. Alors, l'effaceur du doute numéro 5, c'est de la transparence sur le plan commercial. C'est notamment l'explication de comment les choses se mettent en place. Et c'est aussi, bien sûr, votre positionnement tarifaire. Ici, votre interlocuteur cible, il doit se dire comme ça dans sa tête, ça me convient bien. Et vous voyez combien tout cela détend, combien cela le rend disponible. Ah, je termine avec le dernier effaceur, le numéro 6,
le meilleur pour la fin. Ici, c'est la mise en perspective de vos livrables. Vous faites en fait vivre ce à quoi va ressembler la situation de votre client une fois que vous aurez fait la livraison de ce que lui a vendu. Et là, il doit tout simplement se dire « c'est vraiment ce dont j'ai envie ». Ensuite, après ces 6 étapes, eh bien, c'est à votre cible de parler, soit pour se présenter, vous poser des questions, soit aussi, bien sûr, pour répondre à toutes les questions de votre phase de découverte. Plus il parle, plus il se rapproche de vous. Allez, je vous propose maintenant de regarder ensemble un exemple concret. Et je vais prendre LeaderVente comme exemple. Je vais vous montrer en moins de 2 minutes, c'est possible de livrer les 6 étapes, les 6 effaceurs en intégralité. On est parti. LeaderVente est un organisme de formation 100% spécialisé sur la thématique commerciale. Nos formations et accompagnements ont en fait 2 objectifs, à la fois augmenter les résultats et accroître les ventes, mais aussi rendre l'activité commerciale plus facile au quotidien. Pour atteindre ces objectifs, en fait, on couvre les 2 hémisphères commerciaux. La prospection, pour permettre de contacter plus de monde, plus de cibles et décrocher plus de rendez-vous d'affaires. Et la vente, pour closer, transformer ces opportunités en chiffre d'affaires, donc en richesse pour vous et pour votre entreprise. On a décidé d'accompagner essentiellement les petites et moyennes structures, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur, l'acteur commercial isolé, la TPE et la petite PME. Ensuite, pour les plus grosses structures, nous avons un département spécialisé. Alors, quelques chiffres sur LeaderVente. Eh bien, nous avons accompagné déjà plus de 1000 clients et on est suivi par plus de 100 000 followers, notamment à travers notre chaîne YouTube et notre newsletter. Chaque année, nous avons un taux de satisfaction client de 99% en moyenne. Me concernant, eh bien, je suis l'un des 2 cofondateurs. Et puis aujourd'hui, je serai plus particulièrement votre conseiller commercial. Mes 2 premières missions, en fait, vont être d'une part de vérifier que nous avons bien le programme de formation et accompagnement adapté à votre besoin, et ensuite de chercher comment le financer à travers vos droits à la formation en vous laissant, je dirais, le plus faible reste à charge possible. Concrètement, nos formations sont digitalisées en e-learning avec bien sûr des options d'accompagnement et de coaching adaptées à vos besoins. Chacun de nos programmes, en fait, contient tout ce qu'il faut pour réussir. Les savoir-faire, les savoir-être, des exemples concrets, des guides de mise en application sur le terrain. Et en fin de formation, eh bien, nos stagiaires réalisent régulièrement des croissances de plus 10, plus 30, voire plus 50% immédiatement observables. Bilan, dans cet exemple d'à peine 2 minutes, vous venez de voir les 6 étapes d'un bon pitch mis en application. Pour info, on vous a préparé un PDF qui synthétise tout ça et qui retranscrit l'exemple que je viens de vous donner. Vous le trouverez bien sûr le lien à côté de cette vidéo. Je vous mets également en description un lien vers notre programme de formation Vente Closing qui aborde en profondeur le pitch ainsi que les 3 autres as que sont la découverte, l'offre et le closing. Ensemble, ils peuvent former un carré d'as entre vos mains. Sachez que cette formation a déjà fait quelques milliers d'euros et contribue à des croissances de chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit, plus 10, plus 30, plus 50%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Indiquez-moi dans la zone de commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi les sujets sur lesquels vous aimeriez que je m'exprime prochainement. Voilà, je vous donne rendez-vous pour de nombreuses autres vidéos et je vous dis à très bientôt et surtout, bon business.